tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de mon let's play découverte sur les loups-garous. Nous sommes du coup en compagnie de Hattie. Hattie qui du coup apparemment va beaucoup mieux. Elle s'entend beaucoup mieux avec son frère. Vous voyez qu'ils ont un peu leur équilibre de vie et tout. C'est assez cool. On va peut-être un peu d'abord s'occuper de Murphy là. Je vois que bon, il est un petit peu triste. Je vous mets bien sûr l'épisode dernier dans le petit si vous souhaitez le retrouver facilement. Alors, pendant que Hattie est ici, Skoll est en fait à l'endroit de sa meute, il est avec Rory. Et du coup, on va regarder un peu ce qu'il y a de disponible. On va se renseigner sur le rang alpha, demander des conseils concernant la meute. On va faire un petit peu toutes les interactions disponibles grâce au groupe. Alors, Hattie a débloqué un point de faculté, je vais regarder un peu ce qu'on pourrait peut-être lui mettre. Je pense qu'on va lui mettre guérison naturelle, en gros, quand elle est blessée, ben, ça s'en va beaucoup plus rapidement, ça peut être cool. Alors, avec Hattie, j'ai un peu mon idée pour aujourd'hui, mais tout d'abord, j'aimerais bien un peu m'occuper de ces plantes qui sont en train d'avoir plein d'herbes autour. Alors, du coup, le but pour Hattie aujourd'hui, c'est d'aller un peu dans tous les souterrains disponibles dans la map. Donc déjà, on va refaire celui-ci qu'on a déjà fait. Oh, il y a un petit bouquin, là, c'est quoi ? Peter Parker, dans l'espace, on l'a pas celui-là. Est-ce qu'on peut le voler après ? Ranger ? Ben oui, on peut, ben, tout à fait. Le souterrain, l'entrée du bunker est en métal, mais lorsqu'Hattie avance, le tunnel descend sous terre en sinuant, et le chemin devient en terre de tous les côtés. Après quelques minutes de marche, Hattie réalise que ce tunnel, qui semble interminable, doit mener à un endroit enfoui profondément sous Moodwood Mill. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pendant que ta sœur recherche des infos, là ? On va du coup se diriger vers l'ail avec Hattie. Je vous le relis pas, ça, parce qu'on l'a déjà fait dans les anciens épisodes. Hattie progresse dans un couloir particulièrement étroit lorsqu'elle sent quelque chose sous ses pieds. Elle se penche pour regarder et fait une découverte. Et elle a trouvé du coup un tesson de poterie du jeteur lunaire. Apprentissage, c'est quoi ? Ah, c'est ça, mais c'est trop mignon. Je sais pas à quoi vraiment ça ressemble, mais écoutez. Cette fois-ci, on va suivre la mélodie magique, je pense. Waouh, qui a eu l'idée de creuser un grand trou en plein milieu du chemin ? Heureusement qu'Hattie peut voir dans le noir. Elle aurait pu se faire mal. Bah, je pense qu'il est un peu tard là pour que notre cher Cole soit là. Il va peut-être du coup venir pêcher. Ah, il est trop mal à l'aise, mince. Bah écoute, tu vas rentrer à la maison si c'est ça. Hattie se souvient de notre gribouillée dans l'un des livres qu'elle a lu, qui mentionne une pièce souterraine remplie de musique de la lune. Se souvenant des notes du morceau de musique magique entendu plus tôt, Hattie hurle une chanson sombre mais jolie en suivant cette mélodie. Plus loin sur le mur, la gueule d'un loup sculpté s'ouvre soudain et dépose quelque chose sur le sol. Ah oui, effectivement, du coup, ça change comparé à ce qu'on avait fait la dernière fois. Ben, ça fait plaisir, du coup, parce que c'est pas tout le temps la même chose. Hattie a trouvé quelque chose dans le souterrain, un couvercle de poterie du jeteur lunaire. Est-ce que c'est encore la même chose ? Ah non, du tout. En fait, il y a plusieurs choses à trouver et à collectionner, du coup. Et ben ça, c'est très bien. J'aime beaucoup le concept. Est-ce qu'on pourrait en mettre, du coup, peut-être ici, sur son meuble ? Ah oui, effectivement. Mais attends, on va en mettre un là et le deuxième ici. Donc, ça y est, Hattie quitte le souterrain et donc ça ressemble à ça. Celui-ci, il est cassé et celui-ci, il est entier. On dirait un peu, ouais, voilà, le couvercle de ce pot-ci. Ah, du coup, ça y est, elle a récupéré le petit livre et c'est un livre d'enfant. Donc écoutez, il y a aussi des livres d'enfant. C'est assez cool. Ah, on pouvait peut-être discuter un peu avec Christopher avant de reprendre quoi que ce soit. On va demander de passer du temps ensemble. On va un petit peu discuter, on va demander comment s'est passée la journée aussi. Alors, écoutez, par la suite, on va se rendre aux toilettes portables. Ah, mais Murphy, il a plus à manger, on va lui en donner. Et ensuite, eh bien, écoutez, nous aussi, on va manger. Parce que notre petit Skoll a faim, hein, quand même. Alors là, on va peut-être directement suivre la mélodie magique. Hattie aperçoit de la lumière devant elle, cela doit être une sortie. Bon, écoutez, apparemment, ça n'a mené à nulle part. Et du coup, cette fois-ci, on va peut-être trouver l'air frais. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Hattie finit par atteindre ce qui semble être la fin du tunnel. Elle trouve alors une échelle permettant de monter. Le tunnel est éclairé par la lumière venant d'en haut. Alors qu'elle grimpe, l'écho de ses pieds sur les barreaux de l'échelle est de plus en plus fort, jusqu'à ce que Hattie arrive dans une boîte en plastique bleu. Attendez une seconde, ce sont des toilettes portables. Effectivement, tu reviens un peu au même endroit du coup. Alors Skoll, lui, bah ouais, comme il est trop mal à l'aise, ça va être un peu embêtant. Écoute, déjà fais un peu de ménage parce que la maison est un peu sale, hein. Cette fois-ci, on va se diriger vers l'ail. Bah écoutez, elle quitte également le souterrain, malheureusement. Je sais pas si c'est parce qu'elle est mal à l'aise qu'elle y arrive moins bien. Mais c'est un peu triste, du coup.
Et après, je crois qu'il y avait un autre passage, ouais, voilà, juste ici, on va y aller, on va explorer les tunnels souterrains. Mais écoutez, Skoll va juste aller aux toilettes et ensuite il ira dormir parce que j'ai l'impression qu'on peut rien faire vu qu'il est mal à l'aise. Attention, ma petite Hattie rentre dans le tunnel. De toute évidence, cette grille d'égout a été ouverte récemment. Il y a plusieurs séries de traces de pas pleines de boue qui suit Hattie. Même si les traces deviennent peu à peu plus difficiles à voir car le tunnel devient plus sombre, le chemin mène vers le bas très profondément, ce Moonwood Mill, et il ne semble pas s'arrêter. Alors, là, du coup, on va avancer parmi les débris. Hattie repère quelque chose sur le sol devant elle. On dirait que ça bouge. En se rapprochant, elle réalise que c'est un petit groupe de rats. Qu'est-ce qui les fait se regrouper comme ça? Ah, des ordures. Et du coup, là, elle a trouvé un bol de chili. Ok, donc elle trouve de la nourriture également. Le vieux moulin, même si des morceaux de poutre pourrie et des pièces de métal cassées jonchent le tunnel, Hattie parvient à les éviter grâce à sa capacité à voir dans le noir. Elle finit par tomber sur une montagne de vieux outils d'abattage et de lames de scierie. Cela ressemble à des vestiges du passé de Moonwood Mill. Comment sont-ils arrivés là? Hattie aperçoit un boîtier coincé sous une vieille roue à eau. On dirait qu'il faudrait une force de super sim pour le déloger. On va du coup essayer de soulever la roue. Hattie réussit à soulever la lourde roue à eau suffisamment lentement pour que les déchets à proximité se stabilisent au lieu de tomber dans l'ouverture. Ensuite, en faisant tout aussi attention, elle parvient à prendre le boîtier avant de relâcher la roue. Le coffre est déjà ouvert et il n'est pas vide. On va continuer. Ah, on a trouvé un steak de champignons et une mandragore. Du coup, là, elle quitte le souterrain, mais là, franchement, c'est la première fois qu'on a autant de choses dans un seul passage. Et ça, du coup, c'est un nouveau type de nourriture aussi. Mais écoutez, on va retourner, on va explorer les tunnels. Oh, elle mange, attendez! Ouais, c'est un nouveau type de steak, du coup. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle y va avec son assiette. Est-ce qu'on avait déjà de la mandragore à la maison? Je ne sais plus. Attendez, on va regarder ça tout de suite. Alors là, j'ai de la chrysanthème et de la valériane. On n'a pas du tout de mandragore. On va peut-être en planter une ici. On va attendre son retour. À moins que ce soit son frère qui s'y colle, pourquoi pas. Là, cette fois-ci, on va suivre la mélodie magique. Oh, regardez, maintenant on peut prendre de la charcuterie dans les repas rapides. On va faire ça. Une chambre détruite. Au bout de l'un des tunnels se trouve une vieille porte en métal avec un grand trou. Le métal solide pend vers l'extérieur comme une peau de banane. Comme si quelque chose de fort et de déterminé avait forcé le passage avant de s'enfuir dans le tunnel qu'Hattie vient d'emprunter. Derrière la porte cassée, il y a une porte simple, recouverte de panneaux en métal, à en juger par les trous dans les murs. Quelqu'un ou quelque chose n'était vraiment pas content d'être enfermé. Cette fois-ci, on va se diriger vers l'ail, encore une fois. Ah, ben elle quitte le souterrain. Écoutez, on va peut-être retenter d'y aller, voir s'il y a exactement la même chose comme interaction. On va y aller une dernière fois, ouais. Mais écoutez, ça n'a rien donné. Alors ma petite Hattie, elle va peut-être rentrer vite fait à la maison. De quoi se remettre un peu bien au niveau des besoins. Alors oui, également, aujourd'hui c'est l'anniversaire des jumeaux. Ils vont devenir jeunes adultes. Je pense qu'on va organiser quand même une petite fête entre eux, voilà. Alors Hattie va un peu regarder peut-être les étoiles. On va regarder un peu ce que ça donne. Elle a mis sa petite tenue de temps froid. Trop mignonne Hattie, franchement. Bon là il fait presque jour, hein, mais bon, elle regarde quand même les étoiles apparemment. Alors écoutez, on va peut-être la stopper et elle va commencer à lire le petit livre qu'on a trouvé par terre. Livre numéro 4 de la série sur Peter Parker. Oh, c'est la fête des récoltes aujourd'hui, j'avais oublié ce détail. En plus notre petite mandragore est en train de pousser, c'est assez cool. Oh, trop mignonne, elle se met sur le petit tronc d'arbre juste ici. On va voir si ça met aussi des petites notifs. Ah, ça y est, 3, 2, 1, décollage, le vrombissement. Des moteurs emplissent la salle de classe alors que tout le monde regardait la fusée commencer son ascension sur la petite télévision. Le professeur de Peter ajouta « Et si vous gagnez ce concours de divertissement, vous pourriez aller au prochain lancement de fusée ?» Ça, c'est trop cool, je trouve, comme petite interaction. Ça nous rajoute un peu des petites infos et tout. Alors, écoutez, j'aimerais bien qu'on invite un peu Rory à la maison. On va un petit peu discuter avec elle. Non, mais lui, par contre, il est tout le temps mal à l'aise. Hein. C'est infernal. C'est parce qu'il s'était battu ou quoi? Ouais, c'est ça, c'est à cause de sa bagarre. Ah, mais regardez, il n'arrive même pas à rendre heureux les petits nains de jardin. Non, bah ça marche pas, je pense qu'on va donner carrément un coup de pied, c'est pour il nous a énervé celui-là. Et du coup, on a eu une petite pleurunium, on va la vendre, 75 simflouz. Ça, écoutez, je ne sais. Ah, oh, mais du coup, lui aussi il est énervé, attendez, on va donner un coup de pied dans tout le monde. Hein.
Ça tourne au vinaigre. Oh, mais attendez, là, celui-là, on ne l'a jamais eu, je crois. En tout cas, moi, j'ai jamais eu. Alors, là, dans celui-ci qu'on vient de casser, on n'a rien eu du tout. Et dans l'autre, ah, on a la même chose. On va peut-être fouiller un peu tous les tas ici. Ah, mais il y en a encore plein, regardez, ils spawnent tous dans la maison. Normalement, on n'en a que 3, et là, j'en ai cassé 3. Il y en a encore 2. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ah, mais regarde, il est là, en fait, le cristal de l'autre. On va du coup le vendre. C'est qui ça qui rentre chez nous comme ça? C'est Rory? Ben oui, c'est Rory. Mais qu'est-ce qu'elle fait chez nous? Peter leva la tête vers la lune et, avec la silhouette autour de lui dans la pénombre, poussa un hurlement de meute exubérant. Il faisait officiellement partie de la meute. Il pourrait y avoir d'autres choses à découvrir si Hattie accorde une autre lecture à ce livre. Bon, alors on a peut-être un petit peu marre de lire. Écoutez, elle va faire une petite sieste, je pense. Là, c'est quoi qu'on a eu? Ah, c'est les trucs des enfants. Non, mais attendez, je savais même pas qu'on pouvait avoir ça dedans. Alors, on va le mettre dans l'inventaire. Ici, lui, on va le casser aussi. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui spawnent à chaque fois. Hein. Et là, cette fois-ci, on a eu un petit. Envoyer à une bijouterie. Tiens, on va faire ça pour changer. Ça, on va tout jeter. On verra si c'est plus rentable de l'envoyer à une bijouterie ou pas. Et du coup, il y a plein de choses de cassées dans la maison. Bon. Alors, on peut partager ses inquiétudes concernant Greg. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. On va se renseigner sur Moodwood Mill. Les loups-garous originels ne niaient pas la bête qu'ils étaient en eux. Ils appréciaient la lune et sa magie et l'utilisaient pour faire le bien en empêchant les vampires de prendre le contrôle. Je ne crois pas que le collectif de la lune serait assez fort aujourd'hui pour affronter les vampires s'il y avait un nouveau conflit, mais les crocs sauvages, oui. On voit vraiment la rivalité entre les deux groupes d'empêche. Mais écoutez, par la suite, il va peut-être juste aller aux toilettes. Mais qu'est-ce qu'il fait, Murphy? En plus, il est tout sale. Non, mais sérieux. On va peut-être le discipliner. Hattie va très bien. Je pense qu'avec elle, on va un petit peu sortir. Alors, nous voici rendus à la maison des Volkov. On va un peu voir les terrains comme ça, qu'il y a du coup dans la map. Alors, ici, c'est leur maison principale, si je comprends bien. Ok. Et là, nous avons différentes chambres à l'étage. Ici, nous avons un petit bâtiment extérieur parce que je crois qu'il recueille des personnes. C'est pas plus mal. Écoutez, pour l'instant, je crois qu'il n'y a personne dans la maison en plus. On est un peu seul au monde. Dommage qu'ils aient pas de vrai jardin par contre. On aurait pu leur piquer des plantes. Bon, eh bien, écoutez, je ne sais pas trop quoi faire du coup. Oh, il y a un nouveau livre là qu'on n'a pas. On va essayer de le lire. Ami accro pour la vie. Oh non, il nous l'a piqué. On le voulait. Attendez, on va peut-être un petit peu. Le distraire, on va lui parler. Ça y est, on a piqué le livre, super. Ce groupe de quatre avait toujours été inséparable, même si Mingan était une vampire, ils avaient juré qu'ensemble, ils trouveraient un remède pour elle, quel que soit le prix, un jour, elle faisait partie de la meute. D'accord, en fait, à l'époque, ils s'entendaient bien, je trouve, avec les vampires. C'est du petit à petit leur haine, là. Quand la nouvelle lune arrivait, il y avait toujours un ami qui proposait de se retrouver dans les bois pour se détendre. Leur amitié se renforçait alors à grands coups d'encas et de sieste. C'était ces jours-là que Boris aimait inviter le groupe à aller cueillir des champignons plutôt que chasser de la viande. Oh, trop chou. Ah, ben du coup, elle a arrêté de lire. Donc écoutez, hop. Et elle va aller un peu discuter ensuite. Je sais pas si on pourra le mettre dans notre inventaire, j'espère. On va demander à être l'ami du collectif de la Lune, je pense. J'espère qu'il va accepter, même si on n'est pas ami. Sinon, bah écoutez, je vais faire en sorte d'être ami avec lui. Alors, est-ce qu'il est d'accord? Je crois pas. Je m'excuse, Hattie, je ne te connais pas assez encore. Faisons d'abord davantage connaissance. Eh bien, écoute, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. On va peut-être du coup regarder les nuages avec lui, si possible. Ensuite, pour faire augmenter tout ça, on va prendre une photo avec Christopher. Ah mais non, mais il va y avoir notre cher Jacob derrière là. Ben voilà. Bon, écoutez, on va faire comme si on n'avait rien vu. On va prendre plein de photos. Voilà, comme ça augmente assez bien. On va peut-être d'ailleurs en reprendre encore une fois, prendre une photo avec Christopher. Vraiment, on y va assez rapidement. Voilà, là, au moins, ils sont amis. Et je pense que cette fois-ci, si on lui demande, il ne devrait pas refuser. Permets-moi de t'accueillir chaleureusement en tant que nouvelle amie du collectif de la Lune. Nous sommes ravis de t'avoir à nos côtés. N'hésitez pas à venir à notre arbre pour passer du temps avec nous ou à utiliser nos équipements. Même si ce n'est pas obligatoire, nous acceptons volontiers toute contribution future pour améliorer la meute. Ta générosité serait grandement appréciée. Bah, parfait. Et du coup, si là on va dans Meute de loup-garou.
On peut donner un cadeau à Christopher, on va essayer. On va lui donner quoi? Attendez. Des champignons, on va voir s'il est content. Bah, écoutez, il l'a pris, donc ça a l'air de le satisfaire. C'est toujours amusant de regarder un signe non-loup-garou manger de la viande crue. Celle-ci est délicieuse si tu es un loup-garou, sinon. Ah, du coup, on a les épreuves également comme Skoll il avait. On va essayer de discuter d'élimination lunaire, du coup. Il y avait dans la forêt un ancien repaire de vampires bien connu. La plupart des membres du groupe n'osaient pas trop s'en approcher, mais Mingan était déjà à mi-chemin au milieu des arbres. De petits champignons tombaient de son panier au fur et à mesure, marquant son ascension comme un genre de vague sentier. Bah du coup, apparemment, on l'a validé. Mais écoutez, faudrait voir plus tard si on peut en faire d'autres. Alors du coup, Hattie est de retour à la maison. Ça serait bien de réparer les toilettes, par contre, sinon on va avoir des soucis. Skoll, toi, tu vas réparer la douche. Il y a plein de choses de cassées à cause de tes bêtises. Je crois qu'il a réussi. Ouais, parfait. Bravo, Skoll. Ensuite, il y a la télé à réparer si tu le souhaites. Ça y est, Hattie a terminé de réparer les toilettes. Du coup, elle va faire un petit pipi. Ensuite, elle prendra une bonne douche. Et elle pourra enfin, du coup, rejoindre son lit. Pendant que lui, Skoll, termine. Et ensuite, bah, écoutez, va dormir aussi. Alors, du coup, là, on a un frère et une sœur dans deux clans différents. C'est assez spécial. Écoutez, on va essayer de s'en sortir sans qu'il y ait une vraie rivalité. Actuellement, elle n'est pas réellement dans le collectif de la Lune, hein, notre petite Hattie. Elle est juste amie du collectif. Ce qui serait marrant de voir, c'est est-ce qu'on pourrait devenir amie avec les crocs sauvages si on est dans le collectif de la Lune et inversement. J'avoue que ça m'intrigue pas mal, donc c'est quelque chose à tester, je pense. Ah, c'est bientôt la pleine Lune en plus. Oh là, ça y est, elle va se transformer. Hattie, là, elle est enragée. Ça faisait longtemps, hein. Ça y est, elle est transformée du coup. Alors, est-ce qu'elle va réussir à reprendre le contrôle cette fois-ci? Ah bah écoutez, il y a tout l'air. Parfait, du coup. Elle va descendre vite fait manger, je pense. Elle en a bien besoin. Par contre, il n'y a plus rien. Sérieusement? Écoutez, on va préparer un grand repas. Comme ça, on aura de quoi manger. On va faire un dîner avec du jambon. Ça serait cool que Hattie aille un peu chasser. Du coup, on sait ce qu'on va faire. Parce que là, au niveau de la viande, c'est un peu compliqué, hein. Ah, elle a laissé son plat dans le four. Non mais attendez. Est-ce que toi, tu peux le reprendre? Reprendre, oui, il peut. Bah, parfait, c'est ce qu'on va faire. Alors, Hattie est de retour. Est-ce qu'elle en a eu? Effectivement, elle en a eu un. Ah, du coup, on a récupéré le livre de la dernière fois. Bah, c'est cool, ça, par contre. Je pense qu'on va tout ranger dans la bibliothèque pour rien perdre. Voilà, parfait. Ah, puis on avait également un plat, mais est-ce qu'il est gâté? Ouais, malheureusement. Eh bien, écoutez, tant pis. Ensuite, tu pourrais... Ah, se toiletter. Attendez, j'ai envie de voir ça. Ah oui, ok, d'accord. C'est vrai que ça, on n'y pense pas à le faire. J'avais oublié complètement que j'avais pris ça. Dormir au clair de lune. Est-ce que ça fait augmenter également son rang? Bah, pas du tout, mais par contre, c'est super mignon de faire ça. Hein. Bah du coup, je pense qu'on va l'envoyer plusieurs fois chasser de la nourriture. Je sais pas s'il y a un nombre limité ou quoi, mais... Ah, puis lui, regardez, il mange déjà la viande qu'on a été ramener. Donc, pourtant, il a terminé le repas que j'avais lancé. Hein, il est de quelle qualité, ce repas, d'ailleurs? Médiocre. C'est vachement étonnant. Merci, Skoll, de ton aide. Alors, Hattie est rentrée. Elle en a eu trois. Waouh, parfait, Hattie. Toi, Skoll, écoute, va un peu chercher partout. Tu vas fouiller le sol. Ah là, ça y est, elle est poussée au maximum, la mandragore. Je pensais que ça poussait un peu plus haut. Apparemment non, par contre c'est super joli. Skoll a trouvé un saphir parfait. Cette fois-ci, elle en a eu une. Ah par contre, faut vraiment donner un bon bain à Murphy là, parce qu'il pue, laisse tomber. Est-ce qu'on avait vu que Skoll était comme ça là? Doivent être propres. Ces cygnes obtiennent de la fureur lorsque leur hygiène est mauvaise et aiment désormais lécher leur fourrure. Oui, les loups-garous sont bizarres. Je crois pas qu'on l'avait vu ça. Hein. Ça me dit rien du tout. Alors, Hattie, du coup, est de retour et elle se sent très bien. Je pense qu'elle va, du coup, de nouveau explorer les tunnels souterrains. Là, cette fois-ci, au lieu de soulever la roue, on va continuer à voir si ça change quelque chose. Ah, bah écoutez, là, ça n'a rien fait. Du coup, on va suivre la mélodie magique. Pendant que Skoll, lui, je pense qu'il va cuisiner un peu le gâteau pour l'anniversaire des jumeaux. Il va faire un gâteau au thé matcha, voilà. J'aime beaucoup ce gâteau-là, il est trop beau. On va hurler en retour. Là, on va hurler avec la musique de la lune. Elle a trouvé une baguette magique de Moodwood Mill. Attendez, je veux trop voir ça. Ah non, mais c'est réellement une baguette magique en plus. Mais c'est trop beau. Waouh. Ça vaut cher en plus, en vrai. Mais moi, je veux vraiment le garder. C'est trop mignon. Est-ce que si jamais on a un sorcier, il pourrait s'en servir?
Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Oui, écoutez, on a beau avoir les mêmes répliques à chaque fois qu'on retourne dans les souterrains, on trouve des choses différentes et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre cette baguette? On va la laisser là sur la table, je pense. Ah, ça tombe bien, notre petit Skull a terminé le gâteau. Par contre, je ne pense pas qu'on va le mettre ici. Je sais pas si ça marche, attendez. Non, ça ne marche pas du tout. Ah là, ça marche ici, on va le faire là-bas du coup. Et c'est parti du coup pour l'anniversaire de Skull et Atti. Atti qui du coup va laisser peut-être la place à son frère d'abord, non? Il va souffler les bougies. C'est parti mon petit Skull. Skull a vieilli, alors voyons voir le dernier trait qu'il aura. C'est un génie, ok. Donc on va valider. T'es où Skull? Ah oui, il est parti dehors pour vieillir, bien sûr, c'est très logique. Autour de la petite Atti de souffler à son tour. Atti qui, elle, du coup, sera une créative. C'est pas plus mal, j'aime pas mal leurs traits, ils sont cool. Ah, on peut examiner la baguette, on va le faire juste après. Je sais pas si ça va nous dire quelque chose. Elle est du coup en train d'examiner la baguette. Pour le moment, il n'y a aucune notif. Attendez. Ce simple morceau de bois semble pouvoir canaliser des pouvoirs magiques s'il est entre de bonnes mains. Mais c'est trop stylé, hein. Alors, Skull récupère un peu le courrier. Nous, on va peut-être vendre toutes les plantes qu'on a. Voilà, tout récolté. Alors, qu'est-ce que tu nous as pris, du coup, toi? Ah, il y a encore des petits diamants. On va les vendre. 168, ça, tout ça, là, on va vendre aussi. On s'en sert pas. Et voilà, ça, on pourrait peut-être l'ouvrir, par contre. Ici, on a plein de cadeaux du chien, là. On va tout récupérer. Ça pourrait peut-être nous rapporter de l'argent, en plus. Ça y est, il a tout pris. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, trop mignonne, la petite licorne. Attendez, on va la laisser à notre petit Murphy. On va le mettre là. Ça, du coup, c'est cassé. On va le vendre. Et on a une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça vaut cher, un peu, hein. On va la vendre. J'ai amélioré quelques plantes qui brillaient. Le jardin de Atti évolue quand même pas mal, hein. C'est cool. Là, on a une plante, par contre, à désherber. Et après, du coup, on aura tout récolté. On va pouvoir tout vendre. Alors, on a du coup de l'aconite, des mandragores, des champignons, des racines de valériane, des champignons charmants et également des chrysanthèmes. On a aussi toutes les sortes de plumes que notre chien nous a ramenées. Et on commence quand même à gagner pas mal d'argent, là. Alors, le gâteau, on va le glisser dans le frigo pour pas le perdre. Et on a également la viande, du coup, à déplacer. Alors, Skull, lui, au niveau de la valeur de la meuf, c'est pas trop ça. Alors, écoutez. Ah, mais Skull, il a encore des plumes dans son inventaire, on va les vendre. Alors, on va peut-être piquer un peu de la viande de Atti pour la donner à sa meute. Parce que là, regardez, au niveau des valeurs de la meute, ce n'est pas ouf. Alors, du coup, il va se rendre au lieu de la meute. Ah, voilà, c'est juste ici. À chaque fois, je me perds, hein, laissez tomber. Et on va contribuer aux ressources de la meute en donnant de la viande crue. Ah, là, on peut donner à Lou un cadeau de camarade de meute. On va lui donner une viande crue, tiens. Parce que c'est vrai que la relation avec Lou, elle n'est pas folle. J'espère qu'il sera content de notre petit cadeau. Alors du coup, j'ai fait transformer Atti et elle va essayer de revenir à la normalité. Comme ça, on gagne encore plus de points. C'est pas mal. Ensuite, elle va se retransformer. Je force beaucoup. Ça y est, Atti est désormais une louve-garou vétérane. Elle a testé la plupart de ce que la vie de louve-garou a à offrir. Mais il reste toujours des choses à apprendre. Cette sim a un nouveau tempérament qui affecte la façon dont elle interagit avec le monde et les éléments qui font bouillonner sa fureur. Pensez aussi à consulter les nouvelles facultés. Alors là, du coup, elle a obtenu se sent exclue. Ces sims obtiennent de la fureur lorsqu'ils se sentent ignorés ou lorsque leur besoin social a un niveau bas pour une autre raison. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça, franchement, je trouve que ça lui va bien. Alors du coup, on va regarder un peu les facultés de Lou qu'elle a. Hurlement terrifiant, ok. Ensuite, on a quoi? Chasse en groupe. Résistance lunaire. Je pense qu'on va prendre la possibilité de chasser en groupe. C'est plutôt cool si on peut emmener Skull avec nous. Comme ça, il va apprendre en même temps. Et du coup, c'est sur ce petit avantage qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et bien sûr, je vous dis du coup à très bientôt.